Merci d'avoir acheté un Lazy Spa Miami Best Way. N'oubliez pas que cette vidéo accompagne la notice d'utilisation imprimée et ne la remplace pas. Faites particulièrement attention aux avertissements et aux consignes de sécurité présents dans cette notice. Adressez-vous à votre concessionnaire de piscine le plus proche pour obtenir des informations sur le traitement de l'eau de votre spa. La partie la plus importante de l'installation de votre Lazy Spa consiste à choisir un emplacement adapté pour votre spa. N'oubliez pas que le poids total du spa, quand il est rempli d'eau, plus le poids des utilisateurs du spa, représente une charge considérable. Par conséquent, n'installez jamais votre spa sur une surface qui ne soit pas lisse, plate, à niveau et capable de supporter uniformément le poids pendant tout le temps où le Lazy Spa sera installé, pas sur un tapis ou une autre matière similaire. Par ailleurs, n'oubliez pas que le spa a besoin d'une arrivée d'eau et d'une source de courant pour le remplir et le faire fonctionner. Assurez-vous également d'avoir libéré la zone de tout objet pointu ou débris. Étalez le spa à l'endroit choisi. Montez la vanne de gonflage sur le Lazy Spa, puis raccordez le tuyau de gonflage sur la vanne de gonflage du spa. Ensuite, raccordez l'autre extrémité du tuyau de gonflage sur la sortie d'air de la pompe. Elle est indiquée par la lettre A. Branchez la pompe du spa sur une prise de courant adaptée. Quand vous démarrez la pompe pour la première fois, ou si la pompe du spa fonctionne déjà et que l'eau ne se réchauffe pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation du chauffage pour remettre le système à zéro. Puis, appuyez sur « Test » sur le tableau de commande pour contrôler que le système électrique de la pompe est sûr. Attention ! Lisez attentivement votre notice pour connaître les étapes requises pour allumer la pompe. Appuyez sur le bouton du système « Lazy Massage » pour commencer à gonfler le spa. Quand le spa est entièrement gonflé, appuyez sur le bouton du système Lazy Massage pour couper la fonction de gonflage. Enlevez le tuyau de gonflage du spa et vissez le bouchon de la vanne de gonflage dessus pour le fermer hermétiquement. Puis, étalez la couverture gonflable du spa avec le dessous vers le haut. Introduisez le tuyau de gonflage dans la vanne de gonflage rapide de la couverture du spa. Appuyez sur le bouton du système Lazy Massage pour commencer à gonfler la couverture du spa. Une fois que la couverture du spa est entièrement gonflée, appuyez à nouveau sur le bouton du système Lazy Massage pour arrêter de gonfler. Enlevez le tuyau de gonflage de la couverture du spa et fermez hermétiquement la vanne de gonflage rapide. Ensuite, détachez le tuyau de gonflage de la pompe. Rapprochez la pompe du spa et raccordez les orifices d'entrée d'eau et de sortie d'air au spa. Vérifiez qu'ils soient bien serrés. Vérifiez que l'orifice de vidange soit appuyé et fermé, puis enlevez les bouchons et fixez le groupe de filtration sur la vanne de sortie du Lazy Spa. Puis, remplissez la piscine avec le tuyau d'arrosage en veillant à ne pas la remplir trop ni trop peu. Il y a une marque de niveau sur la paroi latérale de la piscine. La pompe a un verrouillage automatique de 5 minutes. Pour verrouiller ou déverrouiller la pompe, placez un doigt sur le bouton de verrouillage-déverrouillage pendant 3 secondes. Utilisez ce bouton pour activer le système de chauffage. Quand le voyant au-dessus
du bouton du chauffage est rouge, le système de chauffage est activé. Quand le voyant est vert, l'eau se trouve à la température configurée et le système de chauffage est à l'arrêt. Bouton filtre à eau. Ce bouton allume et éteint la pompe de filtration. La température peut être affichée soit en Fahrenheit, soit en Celsius. Bouton du système Lazy Massage. Utilisez ce bouton pour activer le système de massage, qui a une fonction de coupure automatique de 30 minutes. En appuyant sur les boutons pour augmenter ou diminuer la température, la LED se mettra à clignoter. Quand il clignote, vous pouvez régler la température souhaitée. Utilisez ce bouton pour configurer la durée de chauffage et quand activer le système de chauffage. La pompe hiberne au bout de 72 heures de fonctionnement. Et le LED affichera l'inscription END clignotante et indiquera la température actuelle de l'eau. Quand la pompe hiberne, les fonctions de filtration de l'eau et de chauffage sont toutes les deux désactivées. Pour réactiver la pompe, appuyez sur le bouton de verrouillage-déverrouillage pendant 3 secondes et saisissez la température souhaitée. Pour finir, placez le couvercle sur le Lazy Spa, fixez-le au moyen des attaches de sécurité à double verrouillage et serrez les sangles. Attention, l'eau attire les enfants. Fixez toujours bien fermement la couverture du spa après l'utilisation pour éviter que les enfants accèdent au spa quand ils ne sont pas surveillés. Assurez-vous que les attaches de sécurité à double verrouillage ont bien été fermées et serrez les sangles. Veuillez noter que la couverture du spa ne remplace pas la supervision d'un adulte. Il faut toujours surveiller les enfants qui jouent autour du spa.